Yo les gens, c'est Moniux pour mon 7ème Halo News. Si vous vous en souvenez bien, à la XGS, Halo Infinite a été présenté. Mais malheureusement, peu de temps après, Halo Infinite a été reporté pour 2021. Eh bien, c'est au tour de l'artbook d'être poussé à juin 2021, si on en croit la page Amazon, et ça fait chier. Mais ne pas oublier que l'artbook et Halo Infinite étaient censés sortir en même temps. C'est possible que la date de l'artbook puisse changer, mais, ça peut aussi vouloir dire que Halo Infinite puisse sortir en juin 2021. Après, ce n'est qu'une théorie. Plus d'infos et de précisions dans l'article et en description. Une autre nouvelle concernant cependant directement Halo Infinite, Kotaku, un blog spécialisé dans le domaine du jeu vidéo, a récemment invité le directeur de Xbox, Phil Spencer, pour une interview autour de la stratégie de Microsoft pour la Xbox Series X et donc aussi du coup Halo Infinite. La question a été posée concernant la possibilité d'une sortie décalée de la campagne payante et du multijoueur que je vous rappelle Free to Play. Il y a quelques mois, 343 Industries avait dit nope et qu'ils ne le sortiront que en entier. Et maintenant, c'est une option qui leur est ouverte. Mais comme ils le disent, leur priorité est de donner aux gens une vraie expérience Halo. Donc je pense qu'ils veulent quand même éviter cela. Mais bon, ils ne se l'interdisent plus. Perso, je vais pas vous mentir, ça me dérangerait pas. Même au contraire, hein, si on peut avoir Halo Infinite le plus vite possible. Et avoir de toute façon, le multijoueur sera free to play. Donc on va payer... si on reçoit la campagne plus vite, après c'est que mon avis, mais si on reçoit la campagne plus vite, sachant que c'est uniquement ça qu'on va payer, ça me dérangerait pas. Mais enfin, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, tout en restant le plus respectueux possible. Allez, à plus et vive Halo !